Les chiens les plus intéressants du monde. Avant de commencer à regarder la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant notre vidéo et être informé de nos nouvelles vidéos. Les gens prennent en compte de nombreux facteurs lors du choix d'un chien. Le tempérament, le niveau d'activité, les câlins et l'apparence. Il existe de nombreuses races de chiens magnifiques et inhabituelles, les races mixtes étant les plus intéressantes de toutes. En ce qui concerne l'apparence, certains pourraient chercher un compagnon sans poils, tandis que d'autres sont plus intéressés par un chien avec un pelage impressionnant qui peut atteindre le sol. Vous recherchez un chien avec une apparence unique? Voici 10 des chiens les plus intéressants au monde. 1. Commodore. Commodore secouant ses dreadlocks en se tenant à l'extérieur sur une pelouse. Cette grande race musclée, également connue sous le nom de chien de berger hongrois, est également connue pour son pelage blanc cordé. Le pelage inhabituel aide le Commodore à se fondre dans le mouton que ce chien de travail aide à protéger. Il le maintient également au chaud dans les éléments et protège le chien des proies. Il faut beaucoup de travail pour garder le manteau à cordon du Commodore en bon état. S'il n'est pas entretenu régulièrement, le pelage blanc du chien peut paraître sale et terne. Le Commodore Club of America fait une suggestion utile mais stimulante pour garder le pelage du Commodore. Ne laissez jamais le pelage du chien se salir. 2. Xolowitz Quinly. Xolowitz Quinly regardant sur le côté et assis sur une pelouse verte. Le Xolowitz Quinly, également appelé le Xolo ou le chien glabre mexicain, se décline en deux variétés, glabre et enrobé. La version sans poil du Xolo se distingue par l'absence de tous, ou presque tous, les cheveux. Certains chiens ont du chaume sur le visage et de petites bandes de cheveux sur la tête, mais sont élégamment nus partout ailleurs sur leur corps. Le Xolo, qui existe depuis des milliers d'années, est-elle d'une des races les plus anciennes et les plus rares au monde. Il a un tempérament qui peut être calme, distant et entraînable. 3. Mudi. Deux Mudi côte à côte à l'extérieur, une perle bleue et un faco. Une autre race de troupeau de Hongrie, le Mudi aurait évolué à partir d'un mélange de races Puli, Pumi et de Spitz allemand, avec peut-être quelques autres races de troupeaux mélangées. Le pelage du Mudi est distinctement bouclé ou ondulé et se décline en blanc, jaune, marron, gris, noir et noir merle. Les Mudi ont été décrits comme ayant telle d'apparence et le tempérament du berger allemand et du caniche miniature. Il n'y a que quelques milliers de Mudi dans le monde et la race est rare aux États-Unis. Chien de berger efficace, le Mudi est actif, intelligent et immensément dressable. 4. Bedlington Terrier. Profil de côté Bedlington Terrier debout à l'extérieur sur un chemin avec un feuillage vert derrière elle. Lorsqu'il est soigné d'une certaine manière, ce terrier ressemble décidément à un petit agneau. Mais ne vous laissez pas tromper par sa douce apparence d'animal de grange. Le Bedlington a été à l'origine élevé comme chien de chasse. Ainsi, même s'il peut être doux et silencieux, il peut également fonctionner à grande vitesse lorsqu'il est à la poursuite de petites proies. Cette race curieuse est intelligente et dressable. Préparez-vous simplement pour un second regard partout où vous allez. Ce sont les yeux en forme d'amande, les petits pompons aux extrémités des oreilles et le corps courbé et souple qui semble prêt à galoper à pleine inclinaison. 5. Chinois à crête. Chien chinois à crête marchant sur une pelouse verte. Mieux connu pour sa variété sans poils distinctive, le chinois à crête se présente également dans une version génétiquement récessive en poudre, qui a des poils sur tout le corps. La variété sans poils n'a que des touffes de poils sur la tête, la queue et les pieds. Un grand nombre des gagnants du concours annuel de chiens les plus laids du monde sont des chinois à crête. Race affectueuse, le chinois à crête est content d'un peu d'exercice et de beaucoup de temps avec son propriétaire. 6. Puli. Puli debout à l'extérieur, à côté d'un grand arbre. Ce chien de berger hongrois à poils courts est connu pour ses longs cordons de fourrure en forme de gland. Le pelage du Puli est noir uni, blanc uni ou noir avec une pincée de poils blancs, donnant au chien un éclat argenté. Pulik, le pluriel de Puli, sont des chiens agiles, intelligents et sensibles. Comme le Bergamasco et le Commodore coiffés de la même manière, il faut généralement environ 5 ans pour que les longues cordes distinctives du Puli poussent jusqu'au sol. 7.
Catalburin. Chien catalburin double nez debout et levant. Le catalburin est un pointeur turc connu pour son double nez distinct. Le nom de la race en turc est dérivé de « katal », signifiant fourchette, et « burin », signifiant nez. L'un des rares chiens possédant ce trait, le catalburin, est une race rare avec une population totale estimée à 200. Parce que son double nez peut entraîner une fente palatine sévère, certains éleveurs ne considèrent plus le double nez comme un trait positif et ont arrêté la reproduction pour la caractéristique. 8. Bull terrier. Bull terrier portant sur un champ vert avec ses pattes tendues. Les principales caractéristiques qui se distinguent des bull terriers sont sa tête ovale, ses yeux foncés et ses oreilles triangulaires étroitement placées. Ce sont également les normes à casser pour cette race ludique. Leurs petits yeux perçants et leurs oreilles pointues sont tous situés sur la tête en forme d'œuf du chien. Ce chien musclé a le sens de l'humour et son tempérament doux et amical en fait un excellent animal de compagnie. 9. Griffon de Bruxelles. Griffon bruxellois brun assis dans un champ d'herbes et de fleurs. Le petit griffon de Bruxelles est une race de jouet qui a un pelage lisse ou rugueux, mais taillé d'une certaine manière, le puissant chiot peut ressembler à un petit lion ou parfois à un singe. Le chien a un museau court avec un nez généralement plus haut entre ses yeux, qui sont larges et amicaux. Ces petits chiens courageux adorent être proches de leur propriétaire et n'aiment pas passer du temps seul. 10. Chien nu du Pérou. Chien d'orchidée Inca péruvien debout dans un champ herbeux avec un feuillage vert derrière elle. Aussi appelé simplement le chien sans poils péruvien, l'orchidée Inca péruvienne n'a qu'une petite quantité de poils sur la tête, la queue et les pieds, et quelques poils errants sur son corps. Un petit nombre de ces chiens ont des manteaux, mais ils sont minoritaires. La peau exposée sur le sans-poil péruvien peut être de couleur unie ou tachetée de taches blanches ou roses dans les tons de noir, gris, bleu, brun et blond. Cette race énergique et intelligente est amicale et affectueuse et aime les promenades fréquentes et beaucoup de temps de jeu avec sa famille humaine. Avant de commencer à regarder la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant notre vidéo, et être informé de nos nouvelles vidéos.